Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Madani Madid. Les bienfaits du fruit de la passion. Le fruit de la passion est un arbuste. Plutôt, c'est pas un arbuste, c'est un genre de lierre, comme la mûre et comme le kiwi. C'est pas tout à fait un arbuste comme par exemple la framboise. Il est porté par des lières et sa fleur, la fleur de la passion, semblable à une montre. Elle est de couleur bleue et elle est de toute beauté. Donc le fruit de la passion se coupe en deux et se mange sans problème avec une petite cuillère. La chair jaune gélatineuse a une saveur fraîche et aigre douce. Pas de problème de manger les pépins noirs du fruit de la passion. Le goût est tout aussi bon. En plus, le fruit de la passion a un effet relaxant. À quelle saison on peut cueillir et manger ce fruit? Le fruit de la passion se déguste tout au long de l'hiver et au début du printemps, au mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, et même au mois de mars et avril. Dans le fruit de la passion, on mange la chair, les graines et la pulpe gélatineuse qui les entoure. Il est ainsi conseillé de couper son fruit en deux pour retirer délicatement la chair à la cuillère. Celle-ci peut ensuite être préparée de différentes manières, y compris en smoothie. La liste des bienfaits est très longue. Il améliore la vision, il stimule la digestion, il booste le système immunitaire et améliore la santé de la peau. Le fruit de la passion soulage les symptômes de l'ostéoporose et il améliore la condition respiratoire. Il est très efficace, surtout pour les gens qui ont l'asthme. Il les relaxe d'une façon incroyable. Le fruit de la passion est présent en Afrique, en Asie et dans les Caraïbes. Les personnes qui ont l'habitude de manger le fruit de la passion, ils ne peuvent pas ne pas le manger tout le temps. Ils adorent ça. Et les autres, ils n'arrivent pas à le trouver parce qu'il est vendu juste dans les magasins spécialisés en dehors de sa réserve, l'Afrique, l'Amérique du Sud, les Caraïbes ainsi qu'en Asie. Et son prix est relativement élevé. Donc si vous le trouvez et vous pouvez en faire une cure, n'hésitez pas à le faire. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne continuation. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un like, un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Merci et à la prochaine capsule. Bye.